bienvenue sur cette chaîne de tricot pour aujourd'hui. Parfois, je vais vous parler de couture. Voilà, je porte du coup exprès pour vous hein, un des objets de mon prochain podcast couture. Je l'ai déjà tourné, mais en fait, il ne me plaisait pas, on ne voyait pas bien. Donc, je vais vous le retourner, mais je ne sais pas quand, le temps me manque en ce moment. Je suis hyper contente de tourner aujourd'hui, de retrouver un petit peu ce moment podcast. Conduit podcast, mais en fait, c'est un moment où on parle tricot, parce que voilà, les puristes diront qu'un podcast, ce n'est que audio, et effectivement, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Hein. Nous, dans notre communauté tricot, on dit podcast tricot. Voilà. Bon, ça c'est dit. Aujourd'hui, ce que je vous présente, alors, je vais vous présenter... des petites broderies avec mes restes de laine. Je vais vous parler des raccommodages que j'ai fait sur mon soldat noir. Puis ce sera l'occasion de vous en reparler parce que ça fait longtemps. J'ai retricoté un Sunday cardigan avec la même laine, même couleur pour un cadeau. Je vais vous parler de ma nouvelle couverture que j'ai designée. Donc voilà, une jolie couverture. Ah. Bébé ou pas, il y a les tailles adultes aussi. Et puis voilà, le petit programme. Allez, j'ouvre ma page. Vous savez, j'ai toujours un bullet journal, comme ça. Là, c'est juillet. Par exemple, que je vous montre, je sais pas, le juin. Voilà, c'est ce que je compte. Là, c'est les trucs, les objectifs du mois, les grosses parties. Là, c'est juin, mes trucs prévus en pro et perso. Et puis après, j'ai des pages de moi avec des to-do list que je coche et voilà, qui me servent de notes. Et là, mes petits programmes de la semaine, un peu plus précis que dans le mensuel. Voilà, je vous en ai déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, peut-être deux sur les bullet journal. Et moi, ça me convient bien. Je continue, j'ai ma petite routine. Alors, allez, ce que je porte. Voilà, pour celles qui n'ont pas Instagram, n'ont pas vu encore. Donc, c'est une jolie robe que j'ai faite en couture avec un tissu. Il me semble que le tissu, c'est... Non, c'est pas l'Estellor, celui-là? Je sais plus. C'est une viscose que j'ai peut-être achetée chez l'Estellor. Ou pas, je ne sais plus. Et le modèle, c'est la robe Lola, la version hack, donc qui est près du corps jusque-là et ensuite... Voilà, la vraie robe Lola, elle est droite. Et celle-là, c'est la version hackée que Apolline Paterne propose aussi en vidéo pas à pas. Allez, on commence. Alors, on va faire en chronologie. Ça fait longtemps que je les ai faits. En fait, je voulais utiliser mes restes de laine. Donc, effectivement, quand on est une brodeuse, on est habitué à des choses plus minutieuses. Mais là, le but, c'est d'utiliser les restes de laine et de customiser ce tote bag que je mets dans mes kits à tricoter avec ma petite laine. Et donc là, le but, c'était d'utiliser les petits restes de laine. Donc là, il y a trois couleurs différentes. Il faut moins de 4 mètres de chaque couleur pour ça. Donc, 4 mètres, par exemple, là, votre bras. Ah, pour celles qui ne savent pas, tiens, c'est intéressant. Moi, je fais, par exemple, 1,65 m. Et ben mon envergure de bras, ça fait 1,65 m. Donc, par exemple, si je prends deux fois mon envergure de bras, je sais que j'ai un peu plus de 3 mètres. Voilà, par exemple. Plutôt que sortir le mètre qui fait pas cette distance-là et qu'on a du mal à mesurer. Les bras. Voilà, donc une broderie simple. Voilà, c'est adapté débutant. Et donc, j'ai sorti le kit à broder... Voilà, pour utiliser les petits restes de laine. Donc, bah, je ne vous ai pas pris... hop, j'arrive, voilà. Et donc, hop, on a un patron. Donc, la première page avec les choses dont on a besoin. Et puis, la deuxième page, c'est voilà, le patron à décalquer. Donc, en kit à broder, bah, on propose le cercle ou pas. L'aiguille qui va bien pour piquer un tissu, mais qui a un chat assez gros, un trou d'aiguille assez gros pour pouvoir passer cette grosse laine. On met un enfil-aiguille aussi pour que ce soit plus facile de passer la grosse laine dans le chat. Et puis le tote bag pour faire dessus. Donc, celle qu'on...
déjà pris des kits à tricoter ma petite laine. En fait, vous avez déjà certaines laines, donc ça peut être bien d'utiliser. Enfin, voilà. Moi, j'étais contente de ça. J'ai fait en deux couleurs. Voilà. Des couleurs froides et des couleurs chaudes. Hop, ça c'est fait. Voilà. On est bon? On est bon. Vous avez vu, j'ai refait à charte graphique ma petite laine. Je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que ça vous dit. Là, on voit un peu par transparence, c'est dommage. Ah voilà. Voilà. Hop. Donc vous avez vu, on a refait le logo. Je suis trop contente. Donc on... voilà. C'est une professionnelle hein, qui fait ça. Et puis voilà, on a refait le logo, un peu la charte. On a gardé sur le même principe, moi, tous mes patrons. Il y a toujours un petit encadré de côté comme ça, qui est une zone coup d'œil. Donc dans les patrons, bah, il y a tout le détail dans la partie bien détaillée. Et puis il y a zone coup d'œil avec la méthode anglaise. Donc très très synthétique. Comme ça, celle qui aime bien juste faire rapide, lire vite fait un patron, hop, on a zone coup d'œil. Et si jamais on a un questionnement ou quoi, il y a la partie détaillée bien écrite en face et puis la vidéo pas à pas. Toujours utile pour une nouvelle technique. Alors, allez, fini la broderie, maintenant on passe au tricot-tricot, hein. Bon, c'était une broderie avec les restes de laine, donc c'était en rapport avec le tricot, hein, vous avez suivi. Allez. Soldotna. Donc en fait, mon soldotna, allez, je vous répète, ça fait un bon bout de temps, je crois que ça fait partie des premiers épisodes où je vous avais montré mon soldotna, que moi j'ai pas fait crop et que j'ai pas et que j'ai fait dans une laine, dans la Gilliatt de Dererum Natura, qui est plus épaisse que la laine recommandée. Moi je voulais un pull d'hiver et en fait je sais pas ce qui s'est passé, ou bien il s'est mité ou je ne sais quoi. En tout cas, il y avait un trou. Un gros trou. Et donc je l'ai raccommodé. Je le trouve plus. Mais tellement j'ai bien raccommodé. En fait, le but, c'était de vous remontrer ce joli design qui est très beau dans sa, voilà, dans son yoke. Donc cette partie-là en haut qu'on fait avec des augmentations et qui a un beau jacquard. Voilà, magnifique. Et puis on peut le faire, on change de couleur et ça change radicalement ça change radicalement le design en fait. Donc moi j'ai adoré le faire. Ah voilà, j'ai raccommodé là, donc ça se voit un petit peu parce qu'il y a un peu plus d'épaisseur maintenant, mais d'extérieur on ne le voit pas. Donc, je suis contente parce que à l'intérieur. Il y en a plein de nœuds parce que ça s'était mité. Il y avait plusieurs, en plus fils, les gris et du bleu, qui s'étaient bah, comme s'ils avaient été coupés carrément. Donc il y avait un trou, donc ça a resserré un petit peu cette zone-là, mais à l'usage, vous avez vu, pas gênant et pas visible. Donc nickel. Ce pull, juste si vous le faites, moi je vous dis, il y a un truc qui m'a un petit peu. Il faut y faire attention au blocage. Je pense qu'il faut donner la forme au blocage. C'est que c'est comme si ça faisait un petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir là, mais c'est comme si ça. C'est pas assez serré, ça part pas. Normalement, cette zone-là devrait être incurvée comme ça vers le cou. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est un peu concave. C'est un peu convexe au lieu d'être concave. Voilà, si je m'exprime bien. Vous voyez, c'est un peu bombé au lieu de se raccourcir autrement. Mais bon, quand on le tricote, ça se voit beaucoup. Au blocage, ça se voit moins. Je pense qu'il faut lui donner la forme, indiquer un peu au patron. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'après, on est en jacquard et qu'on, moi, j'ai l'impression, je serre un petit peu plus mon jacquard que le non-jacquard. Donc, ça doit être dû à ça. Donc, attention, attention à ceux qui tricotent ça. Donc voilà, mine de rien, tricoter de nouvelles choses, c'est super. Mais quand on peut maintenir en vie nos vieux tricots, enfin vieux, j'estime pas que c'est un vieux tricot, mais nos tricots plus anciens, et leur donner une seconde vie en les rallongeant si on les trouvait trop courts ou quoi, bah, c'est des choses que j'ai fait en ce moment un petit peu. Alors j'ai du mal à trouver la motivation, hein. Moi je ne suis pas vous, mais
trouver la motivation de reprendre un tricot et puis rallonger une manche ou voilà, là celui-là, c'est la prochaine chose qu'il faut que je fasse, c'est rallonger les manches parce que je suis toujours en train de tirer dessus, c'est un tout petit peu trop court. Et effectivement, mes premiers tricots, j'avais cette tendance-là en fait. Comme j'avais commencé avec la super wash, j'avais vu que ça s'allongeait. Et en fait, quand on n'est pas en super wash, ça s'allonge pas autant. Donc, en super wash, ça prend moins de centimètres une manche. Alors que là, c'est pas de la super wash, c'est de la laine rustique, la Dererum Natura, que j'aime beaucoup. Mais du coup, pas super wash, il faut faire attention à ça, quoi. Faire la bonne longueur. Et pareil, j'avais eu ce souci-là de manches trop courtes avec une laine qui contenait de la soie. Je pense que j'avais acheté chez Heidi Heidi, mon Ravelo rayé. Et pareil. Voilà. Alors, je prends mes notes, hein, que j'oublie rien à vous dire. Hop, hop, hop. Vous avez vu, je me suis fait une frange. Hein, donc ceux qui ne m'ont pas vu sur les réseaux, ils ne m'ont pas encore vu comme ça, je crois. Ça fait longtemps, hein, que je ne suis pas revenue. C'est pas le manque de motivation du tout, mais alors je cours partout. En fait, on était en vente et achat de maison. Et donc, c'est encore en cours. Ça me prend encore beaucoup de temps. Mais là, j'ai un peu de temps aujourd'hui. Voilà. Entre le travail au cabinet, parce que je suis kinésithérapeute, et ma petite laine où je fais des colis tous les jours, ça prend pas mal de temps, répondre aux mails, développer un peu la marque et tout. C'est quand même prenant, hein, c'est pas rien. C'est hyper excitant, hein, mais voilà, ça prend du temps. Et donc, du coup, ça a pris un peu sur les podcasts là. Plus le fait de achat et vente de maison, ça prend un temps de dingue, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles, de développement d'entreprise ou de création d'entreprise, je souhaite une belle réussite à Maïlis du Maille et des Aiguilles donc elle a son podcast et là elle débute une activité professionnelle de tricot, de couture en partie, hein. Et ben je lui souhaite une belle réussite, c'est chouette, je crois qu'elle arrive à emmener une communauté avec elle et c'est bien, je pense que c'est ça qu'il faut, j'imagine, donc cool, des bonnes choses pour elle. Et puis j'ai vu que Loli l'a fait développer ses laines, elle a bien raison, les patrons suffisent pas, c'est pas évident de développer une activité où c'est une niche, hein. Les tricoteuses, ça reste une niche en France. Et ben elle a bien raison de partir sur une laine, sur des laines qui sont très jolies. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a et j'espère avoir l'occasion de tricoter des choses qu'elle propose un jour. Voilà pour les bonnes ondes que j'envoie aujourd'hui. Alors, mes petites notes. Ah ouais, ça fait longtemps. Ok, bien. Ah, mais j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Hein. Bon, il y a des petites choses là, raccommodage, voilà. Là, je vous remontre mon Sunday cardigan. Celui que j'ai tricoté, ça c'est le mien que j'ai fait il y a quelques temps, qui n'a pas bougé, que j'ai fait avec de la laine Drops. Pourrez voir sur mon Ravelry mes quantités et tout. Donc, j'ai utilisé ces deux fils de mohair et un fil de laine. Et moi, j'ai utilisé la Népal avec le mohair qui est silk. Le tout en gris mix. Gris moyen mix. Voilà. Donc, en fait, ma sœur adore mon gilet et elle m'a demandé le même. Donc, ça me fait penser à Marie de My Marie qui, qui passe un temps dingue au tricot pour sa mère et sa sœur, et ça me fait penser à ça parce que voilà, c'est un gros gilet que j'utilise aussi l'été pour les soirées fraîches ou des choses comme ça. Il y a des soirées fraîches, hein. Moi je vais passer 2 semaines en Aveyron et les soirées peuvent être fraîches en Aveyron, et pas que en Aveyron, mais voilà, c'est sûr que si vous êtes à Marseille, vous n'avez peut-être pas les soirées fraîches, peut-être quand le vent souffle quand même, le fameux Mistral, mais voilà. Moi, je prends toujours un gros pull pour le soir. J'aime bien m'emmitoufler quand j'ai froid. Et l'été, on espère ne pas avoir besoin de s'emmitoufler, mais parfois, on a besoin. Je vais chercher un tricot que j'ai oublié. Ah, vous n'avez pas le temps de dire ouf quand on coupe et qu'on va chercher des choses. Vous ne voyez pas la transition. Donc, j'ai fait
Un châle Mathilda, encore, c'est pour un cadeau. C'est une cousine de mon mari qui adorerait en avoir un châle. Elle m'a rien demandé de spécifique, ni en couleur, ni rien, mais elle a les yeux de cette couleur-là. Si vous voyez la beauté que ça peut être. Donc voilà, je lui ai fait un châle Mathilda avec de la kid silk, donc du mohair de chez Drops. Et là, j'ai utilisé qu'un seul fil. Je vous conseille pour les châles fins et en dentelle un peu comme ça, d'utiliser un seul fil mohair pour les couleurs claires et deux fils pour les couleurs foncées. Voilà. Enfin, je vous conseille. Moi, c'est comme ça que je pense que c'est plus joli. Si ça peut aider certaines, prenez. Si ça ne vous aide pas ou que ça ne vous intéresse pas, ben vous ne prenez pas le conseil. Hein. Voilà, on prend, vous piochez hein, dans le podcast, hein, bien sûr. On ne demande pas une adhésion à 100% de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait. Ou quoi. Vous avez vu derrière moi ces beaux plants luxuriants, c'est mes tomates. Donc, à l'extérieur, j'ai une trentaine de pieds de tomates qui sont toutes prolifiques, qui donnent des belles grosses tomates et donc qui ne sont pas encore rouges, mais ça ne saurait tarder avec le temps qu'on a. Et donc là, dans ma véranda, j'ai mes tomates cerises que j'ai commencé à manger hier. C'est tellement bon. Elle est pas, c'est pas la meilleure exposition du monde, ma véranda, mais bon, elles ont le mérite d'être au chaud et donc elles sont gigantesques. Donc je pense qu'elles vont beaucoup donner là. Allez, trêve de bavardage. Ah oui, juste, j'y reviens, c'est terrible. Hein. Vous allez détester, hein. Vous allez détester mon podcast hein, si ça continue comme ça. C'est décousu, oh là là, terrible dans la vie. Et donc, juste, c'est un modèle de petite knit. Donc, je ne l'ai même pas présenté tellement c'est connu. Mais si, petite knit, moi, j'adore ces modèles. J'en ferai plein d'autres. J'ai juste pas le temps avec mes designs, mais c'est sûr que j'en ferai d'autres. C'est magnifique tout ce qu'elle propose, cette designeuse. Splendide. J'aime juste pas du tout sa manière d'écrire ses patrons, mais ils sont tellement beaux en fin de tricot que je recommencerai tout de même. Voilà. Et tiens, je vais vous montrer mes tests de designeuse. Je fais plein de tests. Et donc, j'ai des bouts de tricot comme ça qui ressemblent un peu à rien pour les prochains designs. Et donc, c'est comme ça que je fais un petit peu mes tests. Je fais plusieurs bordures différentes. Voilà, j'essaye des trucs qui sont que finalement ça va pas du tout. Voilà, des fois j'ai besoin pour les bordures de couverture notamment, on a besoin de voir si ça marche bien en bas et sur les côtés quoi. Et là, c'est le nouveau design que j'ai fait est pratiquement terminé. Il est en test, donc je fais encore des modifications, d'amélioration. J'ai une bonne équipe de testeuses ce coup-ci, je suis hyper contente. C'est un tricot qui est vite fait et qui, a priori, s'appellera la couverture de petits choux. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est qu'elle aille avec le gilet pour aller au bal, qu'elle soit... Il y a des points similaires. Donc, c'est pas identique du tout, mais il y a des points similaires et le but, c'est que ça se soit mignon avec. Donc, j'espère cet été avoir l'occasion de prendre en photo... Voilà, les enfants ensemble, avec le gilet pour aller au bal enfant, bébé, couverture, voilà. Donc, je vous intégrerai ça dans les prochains podcasts au fil des photos que j'aurai. Mais voilà, une couverture simple et jolie. Voilà, elle me plaît beaucoup. Moi, c'est le type de couverture que j'ai tricoté pour ma fille. Là, elle est rapide parce que comme tous mes designs, en fait, c'est toujours avec cette grosse laine en worsted qui ne fait pas grossière, vous voyez. Moi, je la tricote assez avec des aiguilles quand même un peu plus petites que recommandées. Donc là, je crois que c'est 4,5, 4 ou peut-être 4. Peut-être des aiguilles 4 ou 4,5 pour cette couverture. Donc en fait, comme c'est une grosse laine, ça monte vite. C'est quand même des aiguilles relativement grosses aussi, donc ça monte vite. Mais moi, j'aime bien les tricots un petit peu denses. C'est pas déjougé, vous voyez. Voilà. Et donc, comme tous mes designs, c'est avec cette même unique laine au buisson de Fonty. Et comme ça, les restes peuvent être réutilisés pour le design suivant. Ou pour la broderie, ou pour tout ce que vous voulez. Voilà. J'en suis contente. Elle est belle. Moi, c'est ce que j'aime pour les bébés. Un peu de graphique.
Vous voyez, voilà, je la vois très bien en poussette celle-là. Une mini touffe un peu bébé. Quel est l'intérêt d'une couverture, sachant qu'on n'est pas censé les faire dormir avec les bébés-bébés? Mais un bébé a besoin de couverture en laine notamment parce que ça thermorégule la laine et ça c'est important. Et parce que votre bébé, par rapport à, par exemple, moi j'aime pas trop voir en tant que kiné les combinaisons pilotes, à part pour ceux qui vivent en montagne ou qui passent beaucoup de temps dehors. Mais sinon, la plupart du temps, la vie d'un bébé, c'est entrer-sortir de la voiture pour aller quelque part. Donc pas longtemps dehors, même l'hiver. Et la couverture permet d'emmitoufler le bébé au moment où il fait froid. Et d'enlever quand il fait chaud. Donc par exemple en voiture, souvent si le bébé il est trop emmitouflé, on va pas lui enlever le manteau ou la combinaison. Alors qu'une couverture, on emmitoufle bien bébé et puis on arrive en voiture, dès que la voiture a chauffé, on découvre un peu bébé et puis il va pas hurler de trop chaud. En fait voilà, l'intérêt des couvertures, c'est pour moi c'est un indispensable, autant que le cocon. Voilà, j'ai ramené un cocon pour vous montrer une nouvelle couleur qu'on fait sur ma petite laine. C'est une couleur qu'on a fait faire, donc c'est une exclusivité qu'on a nous sur ma petite laine. Donc c'est une couleur vert d'eau, un peu vert amande, vert d'eau. Voilà, c'est une couleur très douce. Voilà, pour vous montrer à côté d'un blanc ivoire. Voilà, vous voyez, ça fait partie des couleurs très douces, très passe-partout. Voilà, ça. Fait, vous voyez, c'est pas la même. Ça rejoint un peu, hein. Ouais, c'est un vert amande, vert d'eau. Celui-là, ouais, tout doux. Allez, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh, je vous ai déjà parlé de tout. Ah oui, ah oui. Et ben, c'est bien pour les tricots déjà. Hein. En fait, je fais d'autres choses, mais voilà, c'est comme le gilet Sunday que je refais si. Ou pour ma petite laine, je fais d'autres choses, mais je fais plusieurs tailles différentes d'un même gilet, donc je vous montre pas tout parce que vous allez être saoulés. Hein. Ouais, le tricot, bon, je tricote un peu moins qu'avant parce que bah, je passe plus de temps avec mes enfants, en fait. Elles mettent plus de temps à s'endormir, et puis j'aime bien m'endormir avec elles, on se câline, voilà, je passe du temps, je touche mes cheveux, hein. J'ai du mal à m'y faire. Voilà, je passe un bon temps de maman. Et c'est chouette. Voilà, elles ont des âges que j'adore. Donc, la grande, elle a 9 ans et la petite a 4 ans et demi. Il y a une moyenne de 7 ans. Et je passe des moments de délices avec mes enfants en ce moment. Pour moi, la maternité, c'était merveilleux et terrible en même temps. J'ai trouvé ça dur, fatigant, épuisant. Et du coup, j'arrivais pas à être la maman complètement que je voulais parce que j'avais pas assez de sommeil, pas assez de disponibilité. Et là, maintenant, j'ai un sommeil correct. Et du coup, on passe un temps merveilleux. Du coup, c'est plus facile pour moi, je le vis mieux, quoi. Voilà, j'aime bien en parler parce que c'est pas, enfin, on dit pas toujours quand on est maman que c'est un peu dur, en fait. Un peu dur, et c'est pas parce qu'on aime... ses enfants à la folie et complètement et d'un amour infini. C'est pas qu'on les aime à la folie, qu'on apprécie complètement notre rôle à ce moment-là. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'accompagne bien les parents, parce que je suis complètement consciente de la difficulté que c'est. J'ai bien ça en tête et c'est pas assez loin pour que j'aie oublié. Et puis ça a été assez fort pour que j'oublie jamais, je crois. Tellement j'ai trouvé ça dur, et en même temps j'ai fait 3 enfants, donc c'est que j'ai apprécié complètement la maternité, mais la femme que je suis me manquait. Je sais pas si ça vous parle, ça c'est un concept, hein. Mais bon, je pense qu'il y en a pas mal qui se reconnaîtront, hein, quand même, on est forcément plusieurs. Voilà. On ne peut pas parler que des bons moments, hein. Tout s'équilibre et il y a forcément des choses un peu dures, voilà. Mais bon, voilà, tout va bien. Bien, alors quand je dis que je déménage bientôt, je vends et j'achète une maison, je reste là où je suis, dans mon petit coin de Beauce, qui n'est pas hyper sexy, pas hyper attractif pour les gens. Et voilà, c'est pour ça que je vous montre quelques photos, vidéos de beaux endroits. Je vous ai prévu, comme d'habitude, un vlog à la fin. Pour vous montrer des endroits, des petits moments que je vis en tricot et hors tricot.
Donc voilà, comme ça fait longtemps que j'ai pas tôt, que je vous ai pas fait de podcast, je pense que le vlog va être assez long cette fois. Et c'est pas un vlog comme vous voyez peut-être chez les autres où je vous parle beaucoup. Je vous parle un peu, hein, mais voilà, c'est juste des moments de vie. Bah si, ça ressemble un peu à ce que font les autres en fait, hein, ou il y en a qui mettent ça en générique. Voilà, bon bah c'est un peu ça, des tranches de vie, des tranches de moments, des. Ouais, j'aime bien. Et puis en fait, je vous mets, pour celles qui n'ont pas Instagram, en fait, à la fin de la vidéo, je vous mets les petits bouts de. C'est des petits bouts de film, hein, que je mets sur Instagram en story. Et en fait, voilà, je me dis, c'est pas parce qu'on n'a pas Instagram qu'on doit manquer des choses. Donc voilà, je vous mets ça à la fin. Vous prenez pas. Hein. Mais j'ai des coups de cœur à vous parler. Je vais vous parler de mes coups de cœur tricot, les derniers. Et puis, donc je vais aller chercher mon ordi, parce que bien sûr, je ne l'ai pas préparé. Et puis après, je vais vous parler aussi des derniers podcasts que j'ai trouvés. Alors, je suis un peu à la ramasse en podcast parce qu'il y a eu plein de nouvelles ou quoi, ou il y en a qui existaient depuis un petit bout que je ne connaissais pas. Donc je vais vous en parler quand même, parce que peut-être vous êtes dans le même cas que moi. Voilà, donc je vais vous en parler. Et puis voilà. Ah bah en fait, je les ai là, les coups de cœur. Donc j'ai préparé. Qu'est-ce que je dis? En fait, j'ai trouvé les like stock. Non, like socks. Donc c'est des chaussettes qui s'appellent like. Donc je pense que c'est LYKKE, ça doit être scandinave comme mot. Et donc c'est des chaussettes de reste en fait. Donc ça, je trouvais ça chouette. Je trouvais ça super cool. Donc je vous mets les photos. Hop, tiens, je me décale, comme ça on pourra mettre une plus grosse photo. Ensuite, en coup de cœur qui m'a bien plu, il y a le Fairy Bouquet. Que j'ai trouvé hyper chouette. Je l'ai vu chez qui ça? Bah, ça doit être sur. Ouais, ça doit être le joli pull que s'est fait. See you later. Coucou. Je crois qu'elle me regarde, mais je suis pas sûre. Voilà, elle s'est fait un très joli pull. Donc voilà, je vous mets une petite photo de ce pull. Je le trouve bah, juste beau, quoi. Enfin, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les. Little Dot Socks. Voilà, donc je vous mets les photos. Et puis, le Ranunculus, on ne le présente plus, mais je le redécouvre. J'aime bien, là, il y a des podcasteuses qui l'ont fait, refait. Moi, je crois que je le préfère. Je ne sais pas si je le préfère en version dentelle transparent. Je pense que je le préfère pas transparent, moi. Donc, j'ai dû voir des modèles comme ça, est quand même beau. Hein. Donc j'aime bien quand il n'est pas transparent, mais j'aime bien la dentelle. Voilà, il a l'air chouette. Et puis, j'ai vu un pull qui s'appelle le Sea Glass Sweater. Voilà, que je trouve très beau aussi. Très chouette. Voilà les petits coups de cœur du moment. Ça, c'est fait. En podcast. Donc, j'en ai découvert d'autres, mais là, c'est deux seuls que j'ai notés. Donc, désolée pour les autres. En général, quand je découvre un podcast, je mets un commentaire. Donc, elles sauront. Alors, je le mets. En fait, je like et je commente sous mon nom de mon autre chaîne YouTube, qui est une chaîne de kinésithérapie et de parentalité. Voilà, parce que quand en fait j'ai pas les pubs sur cette chaîne-là, donc je suis toujours connectée avec cette chaîne Agathe Kiné Instant Parentalité, mais je signe toujours Agathe Power of Tricot, donc normalement elles auront vu mes petits commentaires. J'en ai peut-être des loupés, hein, mais en général j'essaye quand même. Mais bon, là j'en ai noté deux, donc il y en a une qui s'appelle Tais-toi et tricote. Je trouve ça rigolo comme nom, sympa. Et puis une autre, c'est Stéphanie Made. Donc coucou. Voilà, c'était des belles découvertes. Et j'espère que ça donnera envie à d'autres de découvrir pour celles qui ne connaissent pas.
Comme d'habitude, je féminise mon propos quand je parle de tricot, hein. On est principalement des tricoteuses. Et puis, en tout cas, il n'y a que des tricoteuses qui ont commenté sous mes vidéos. Mais s'il y a des hommes dans les parages, n'hésitez pas à me dire par commentaire que vous êtes par là. Et puis, je vous inclurai dans mon discours avec plaisir. Mais comme je ne vous vois pas et que je ne vous lis pas, je ne sais pas s'il y a des hommes. Mais n'hésitez pas à me signifier que vous êtes là aussi, ça me fera plaisir. Et puis, j'adapterai mon discours en fonction avec grande joie. Voilà, pour ce coup-là. Je ferai un podcast couture pour vous présenter donc cette robe et la deuxième, tiens, je vous la mets là pour vous spoiler le prochain podcast. C'est des robes qui ont beaucoup plu, on me fait beaucoup de compliments sans savoir que je les ai faites, mais surtout la marron là, marron orangé, qui est en tissu lisse taylor. Et celle-là, tout le monde vient me dire qu'elle est splendide et qu'elle me va magnifiquement bien. Donc, je vous la présenterai. Et après, quand je dis que je l'ai faite, les gens sont sur le cul. Ça me fait bien plaisir parce que c'est du temps et de l'énergie, la couture aussi. Bien, elle m'énerve cette mèche-là, elle ne se positionne pas. Vous avez vu que ça m'énerve, hein? Voilà. J'étais bien contente de vous retrouver. N'hésitez pas à commenter à la fin. Voilà, des coucous à toute la communauté tricot. Voilà, un grand merci à vous pour votre patience, vos commentaires, les échanges qu'on peut avoir. C'est hyper agréable que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas. C'est agréable, c'est aussi parce qu'il y a des commentaires que je continue, parce qu'il y a un échange et du coup ça me donne envie de continuer à échanger. Donc allez-y. Et puis si vous voulez vous lancer dans des podcasts, faut pas hésiter. La communauté est bienveillante. Voilà, moi j'ai jamais eu de choses désagréables en fait. Peut-être une fois. Et puis je sais même pas si c'était vraiment désagréable ou mal formulé. Donc faut vraiment se lancer. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il y a des gens désagréables, hein, pas tellement. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, tout ce que je vous ai montré, même si c'est assez peu. En plus, je passe vite un peu sur tout, mais voilà. Le but, c'est de se retrouver, de passer des moments tricot. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas le vlog derrière si ça vous dit. La musique que vous entendez sur mon podcast au début et fin, c'est la musique de mon mari qui est sur plusieurs groupes et avec plusieurs noms. Mais je vous mets le lien de téléchargement ou d'écoute libre sur internet de la musique si vous voulez. Et puis merci aussi pour les compliments pour la musique. Ça lui fait je lui transmets systématiquement et ça lui fait un grand plaisir parce que pour le coup, il a peu de visibilité et peu d'interaction avec les auditeurs potentiels. Donc ça, il y a peu de place à la culture en fait, à la culture, à la nouveauté en musique ou dans d'autres arts. Et je pense que c'est important de dire quand c'est apprécié. Voilà. Oui, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais un coucou de loin. Mais en fait, de près, j'ai l'impression. J'ai toujours du mal à terminer, hein. Je fais toujours des au revoir longs. Allez, des gros bisous. Peut-être à cet été. Si j'ai tricoté de nouvelles choses, je reviendrai quand même. J'aurai hâte de vous retrouver. Voilà, le vlog me suit. Et puis, un podcast couture bientôt. À très vite. Do it for more when you know.
Seine, hein, ça je suis au courant. Mais pour ceux qui sont déjà venus en Beauce, sachez que eux comprendront, et les autres, sachez que c'est terrible de ne pas s'endormir au volant, quoi. Donc il faut trouver des occupations, regardez les yeux ouverts, c'est terrible. Voilà, c'était la petite pensée de la tricoteuse. Et bonjour, je voulais vous partager le nouveau logo de ma marque Ma Petite Laine. Donc je vous la mets là. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que ça suscite chez vous comme nouveau logo, typo, et voilà. À vos critiques. Coucou. Bon, ça fait des semaines que je trépigne à l'idée de faire un podcast, et puis ça traîne parce que je trouve pas le temps, parce que il y a d'autres choses qui se rajoutent. Hyper frustrant. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Du coup, je vous mettrai ça à la fin du prochain podcast. Ça va assez incessamment parce que j'ai ce qu'il faut pour présenter. Voilà, il risque d'être long, hein, tellement ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. Mais voilà, j'avais envie de parler tricot et, et je suis toute seule à m'écouter. Donc voilà, je vais faire comme si vous êtes en temps réel avec moi. C'est tout comme, hein, en fait. C'est ça qui est cool à enregistrer des podcasts, c'est qu'on peut parler tricot même quand on n'a personne réellement sous la main. Là, je suis en train de faire les vidéos d'accompagnement au tricot des prochains designs. Là, c'est une couverture. Couverture pour bébé. Hop. C'est le tout début, donc on voit pas grand chose. voilà, là j'ai mon pull Joconde que je mets assez souvent, hein, en fait. Pas mal pour que c'est pas méga chaud, c'est top. C'est quand même un manche courte, j'aime bien. Il fait pas trop tenue du dimanche et des fois on a envie d'être un peu bien habillé quand même en étant tout à fait à l'aise. Donc c'est pas mal. Voilà, bon bah en plus vous allez avoir droit à deux podcasts d'affilée parce que j'ai un podcast couture que j'avais déjà enregistré en fait et qui, je sais pas, il m'a pas plu, on voyait pas bien les coutures et tout, enfin les robes, je sais pas, là, ça rendait pas top, donc du coup je me dis que je vais juste le refaire quoi, mais du coup je l'avais fait il y a au moins peut-être un mois ou deux. Donc j'étais bien au niveau timing quoi, et puis bon bah on peut tomber à l'eau, tant pis. Il n'y a pas mort d'homme comme on dit, on fait quand on peut, quand ça convient quoi. Bon allez, je vous laisse, je repars sur ma vidéo d'accompagnement. La quenouille, ça s'appelle ? Non, le fuseau. Ah, c'est le fuseau. La quenouille, c'est ce qu'il y a sur le rouet et qui supporte la laine qu'on a cardée, c'est-à-dire le gros nuage de laine bien aérienne de façon à pouvoir tirer dessus pour pouvoir la filer au rouet. C'est un autre système de filage. C'est un autre système de filage okay, qui allait beaucoup plus vite. Mmh. Mais compris. Ouais, oui.
c'était pas les petits gens qui avaient un rouet, c'était beaucoup plus cher, donc ouais. Et des fois des contres, il y en a à 3 bobines. Oui. Mais même dans le fil à coudre qu'on a à la maison, vous regarderez, vous le. Ah oui. Et il y a deux fils. Ouais. Après, voir, il y en a, il y a 3, ça dépend ce qu'ils vont faire avec. D'accord. Donc là, vous faites le retors et après, vous tournez pour faire la pelote, c'est ça? Voilà. Après, une fois que le fuseau, là, il va être plein, on va faire une pelote de laine. De façon à pouvoir tricoter. Mais là, vous avez deux étapes. Une partie là, vous êtes en train de faire un retors, c'est ça? Oui. Enfin, le premier, c'est le solitaire, les deux solitaires. Oui. Hein? J'ai dit quoi, solitaire? C'est tout à l'heure, c'est célibataire. Oui. Ah, d'accord. Ils sont mariés depuis. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on se trompe souvent, on ne sait jamais si c'est solitaire. Non, célibataire. Et là, d'accord. Et une fois qu'il est, voilà, qu'il est, en, après vous le tournez. Après, oui, je le. Voilà. Et c'est là où vous tournez. D'accord. Voilà. Et là, une fois, c'est pour le fixer sur le fuseau. Une fois que ça va être rempli, là, on peut le mettre en pelote ou en écheveau sur les chevaux d'oie. D'accord. De façon à pouvoir relaver la laine, la teindre ou d'accord. Soit en pelote, soit en sur écheveau. Les chevaux d'oie. Ok, très bien. Merci. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.